Chers amis, je suis content de vous retrouver, mais quelle année terrible! Devrais-je dire quelle deuxième année terrible? On n'en peut plus de ce confinement. Nous, depuis Paris, là où cette émission est tournée, nous en reprenons pour encore 3 semaines. Et j'entends vos soupirs, vos cris, vos frustrations. Mais combien de temps ça va durer? Moi non plus, je ne peux pas gérer cela. Mais je sais une chose. C'est que vous avez choisi d'être fidèle. Vous avez choisi d'être fidèle et de regarder sur Dieu, de vous concentrer sur Dieu. Quel que soit ce que l'on passe, qu'est-ce que soit ce qu'on vit, Dieu est celui qui pourvoit. Et j'ai un message pour vous. J'ai un message pour vous. Comment, en pleine incertitude, on peut réapprendre à vivre? Et je voudrais voir ça avec vous en cet instant. Mais sans plus tarder, on va mettre sur pause tous les stress. Tu vas mettre sur pause toutes tes angoisses. Tu vas mettre sur pause toutes ces incertitudes du lendemain. Que ça soit des incertitudes dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale, que ça soit au travail, que ça soit sur ton... Comment tu vas finir la fin du mois, je ne sais pas quoi. Il y a un Dieu pour cela. Et c'est vers lui que nous nous tournons. Et nous allons commencer par lui apporter nos louanges plutôt que notre stress. Alors commençons à célébrer Dieu et rentrons dans l'adoration. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. S'enfuir de ce lieu, car l'Esprit
Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, don de Judas, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit.
Chers amis, on fête un anniversaire un peu différent des autres. C'est les 1 an du Covid. Et franchement, je me serais bien passé de cet anniversaire-là. Et il y a 1 an, on est rentré dans une phase de désert où on ne maîtrisait plus rien. Et on a juste essayé de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de bon? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre de bon? Et comme les Israélites ont traversé le désert, ils ont dû se préparer pendant cette phase-là pour entrer dans l'étape d'après. Et c'est cette étape d'après que Dieu a prévue sur ta vie. Et je voudrais t'aider à y rentrer. Voici le texte d'aujourd'hui. Le message que j'ai sur mon cœur, c'est en pleine incertitude, comment réapprendre à vivre. Et je vais vous apprendre la leçon que Dieu a donnée aux Israélites dans le désert, qui est la leçon des Norias. Ils vont devoir apprendre à quitter leur sécurité passée, à se détacher de ce qui a fonctionné dans le désert et en Égypte, pour basculer dans un lendemain un nouveau pays qu'ils ne connaissent pas. Il y a eu quelques espions qui sont allés, mais franchement, l'essentiel du peuple sur 600 000 personnes n'a aucune idée de qu'est-ce que veut dire le pays que Dieu a prévu pour eux demain. Je ne sais pas quels sont tes stress pour 2021, ensuite, à partir de maintenant, pour 2022. Mais Dieu a prévu quelque chose. En tout cas, ce qui a été bon pour toi dans le passé ne l'est plus forcément pour ton futur. Et il va falloir que tu acceptes de te détacher de certaines sécurités. Tu sais, il y a cette nostalgie en toi, peut-être des sécurités que tu avais en 2019. Tu voudrais venir avant et effacer, retrouver ta vie d'avant. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que Dieu te décroche de cela et te projette vers quelque chose. Je sais que tu as peur, mais n'écoute pas tes peurs, écoute le Saint-Esprit. Et le grand danger des Israélites, c'est qu'alors qu'ils avaient été capables de quitter l'Égypte en une nuit, et certains d'entre vous, franchement, quand je me rappelle encore ce lundi où notre premier ministre nous a annoncé le premier confinement, on était juste sidérés. En une nuit, certains restaurateurs n'ont pas compris que ça allait être fermé pendant des mois et des mois. Ils n'avaient pas prévu que leur stock allait périr. Ils n'avaient pas prévu que l'activité n'allait pas reprendre avant des mois. Quel incroyable! Les églises ont fermé, incroyable. Et pour les Hébreux, ils ont été capables de quitter l'Égypte en une nuit. Ils n'ont même pas eu le temps de préparer le pain, que le pain ait eu le temps de lever. Ils ont dû prendre du pain sans levain, parce que c'était tellement brutal. Comme le Covid, exactement pareil. Mais, s'ils ont été capables de quitter l'Égypte en une nuit, ils ont mis des années à se détacher émotionnellement de l'Égypte. Voici cette phrase de mon pasteur Éric Dufour que j'aime beaucoup et je voudrais qu'elle s'affiche sur votre écran. L'Égypte, ils l'ont quittée en une nuit. Mais elle a mis 40 ans à les quitter parce que dans leur cœur, ils sont restés attachés. Alors la vie, c'est un voyage, mes amis. La vie, c'est un voyage où chaque destination doit être savourée. Et je voudrais vous proposer quelque chose. Je voudrais qu'au travers de ce message qui pour moi est un message un peu bizarre parce que, comme je vous dis, c'est peut-être un des derniers ici dans ce lieu avant de basculer dans MLK Grand Paris qui est une nouvelle étape dans notre vie. Je voudrais qu'on puisse célébrer la providence de Dieu, sa fidélité dans chaque étape, des plus petits commencements jusqu'à maintenant. Vous savez pas quoi ? Il a été fidèle. Le nom de l'Éternel est fidèle. Il est fidèle. C'est une aventure incroyable. Et en tout cas, je veux la vivre. Merci de la vivre avec moi. Je veux la vivre avec vous. Et ensemble, on va vivre ce que Dieu a dit à Moïse. On lit ensemble si vous le voulez bien. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu. Et tu lui obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné. Vous avez vu tout ce qu'il a fait pour vous dans le désert et jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Ouh, j'ai pas aimé le désert. Est-ce qu'il y en a qui ont aimé le désert? Non, d'accord. Eh bien, ce n'est pas dans le désert que Dieu a prévu que les Israélites puissent finir leur vie. Il a prévu quelque chose de demain. Alors, on va continuer au verset 7. Oui, ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites malgré les moments difficiles. Mais vous respecterez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin d'avoir la force de prendre possession du pays dont vous allez vous en emparer, afin de vivre longtemps sur les territoires que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, à eux et à leur descendance. C'est un pays où coule le lait et le miel. Regarde-moi, un pays où coule le lait et le miel. Ils en ont rêvé. Tu sais, il y a des goûts, il y a des saveurs. À force de vivre dans le désert et dans les galères, tu as oublié la saveur de la vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu a prévu des choses succulentes pour toi. Il faut juste que tu acceptes de te détacher du passé et de rentrer dans le futur. Là-bas, dans le pays d'Égypte, est-ce que tu te rappelles comment tu avais fait pour survivre? Là-bas, après avoir fait vos semailles,
Vous deviez, regardez, c'est le verset, la fin du verset 10. Vous deviez irriguer vos champs en actionnant quoi ? Des norias. Je souligne le mot des norias. Avec vos pieds comme dans un jardin potager. C'est quoi les norias ? Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspondent ces norias ? Qu'est-ce que ces choses-là ? Alors ensemble, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est survivre grâce aux norias. Il y a des saisons de ta vie où tu es dans un moment de difficulté. Et tu ne choisis pas forcément le lieu géographique où tu es, les personnes avec qui tu vis cette épreuve. Tu ne choisis peut-être pas ton travail complètement comme tu voulais, ni même tes études. Mais pour certains d'entre vous, vous avez développé un système ingénieux. C'est quoi un système ingénieux ? C'est un système qui va permettre de survivre dans un pays difficile. Je vais prendre ma place et je vais vous montrer une carte. Je vais vous montrer la carte d'Égypte. Pour ceux qui ne voient pas, regardez, ça s'affiche sur votre écran. Voici ce qu'est l'Égypte. L'Égypte, c'est ce pays. C'est un beau pays, l'Égypte. Hein ? Mais c'est un beau pays juste autour de ce fleuve qu'est le Nil. Parce que si vous écartez du Nil, vous n'avez que du désert. Pourquoi les Hébreux ont été des inventeurs de Noria? Parce qu'en fait, les Égyptiens, les privilégiés, s'étaient installés forcément dans les meilleures zones, dans toutes les zones qui étaient sur les bords du Nil. Et ils avaient refourgué les terres les plus arides, les terres les plus loin dans le désert, à 1, 2, 3, 4, 5 kilomètres du Nil. C'était incroyablement loin à l'époque. Ils avaient laissé les plus mauvaises terres, les terres non irriguées, aux Hébreux. Qu'est-ce qu'avaient fait les Hébreux à cette époque-là ? Eh bien, les Hébreux avaient inventé un système. Ils avaient trouvé un système de pompe à eau. Vous allez dire, mais non, il n'y avait pas d'électricité. Si, si, avec leurs pieds, ils devaient irriguer les champs éloignés grâce à des norias. Regardez, voici une noria. Elle a été trouvée à Thèbes, en Haute-Égypte. Regardez, ça s'affiche. Cette roue-là date du temps des Hébreux. Vous allez me dire, comment ça fonctionnait ? En fait, avec un système de roues à eau, vous savez, un peu comme les moulins. Sauf qu'au lieu d'être des moulins à eau, c'était des moulins avec le pied. Et ils tournaient avec le pied, et ils arrivaient à élever légèrement l'eau. Parce que, vous voyez, c'était des canaux d'irrigation. Regarde ici, c'est un canal d'irrigation qui, comme il y avait, c'est un pays plat l'Égypte, complètement plat. Il fallait que cette eau puisse aller le plus loin possible, le plus loin possible. Le canal d'irrigation a été inventé, mis en place par des personnes qui est en difficulté. C'est lorsque tu vis des épreuves que tu développes des systèmes géniaux parce que Dieu est avec toi même dans les moments difficiles. La noria, c'est un système de survie dans le désert. Et les Hébreux l'ont utilisé pour s'en sortir avec la grâce de Dieu. Lorsque tu es à la périphérie de la bénédiction et que tu n'es pas au cœur de la bénédiction, eh ben, tu dois te débrouiller pour avoir ce qu'il faut pour vivre et Dieu te donne cette ingéniosité. Vous savez que nos amis les protestants, nos pères dans la foi, mes pères dans la foi, les protestants en France ont été les premiers à survivre au désert. On les appelait des camisards. On les appelait les camisards parce que c'était des hommes et des femmes avec très peu d'instruction, très peu de capacité, très peu de moyens financiers. Ils ont tout perdu. En fait, ils en avaient peut-être de l'instruction et des capacités, mais on leur a tout volé. Lorsque les dragons du roi de France, Louis XIV, sont venus après la révocation de l'édit de Nantes, il les a chassés, il leur a volé tous leurs biens, il leur a volé les livres, ils n'avaient plus rien. Ils avaient juste les déserts. Ils ont fait des assemblées dans les déserts. Ils s'est trouvé des endroits où il y avait juste des châtaignes dans les Cévennes pour manger. Et ils ont appris à mettre en place un système ingénieux pour survivre dans un environnement hostile. Et aujourd'hui, nous sommes les descendants de ce peuple qui survit dans les déserts. Un système incroyablement ingénieux et un système incroyablement courageux. Lorsque j'ai senti qu'il fallait implanter l'église de Créteil, ici, je ne pensais pas que ça allait devenir MLK. En toute honnêteté, je vous le dis, j'avais aucune idée que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. J'aurais été certainement trop stressé. Et j'ai juste cherché à avoir un petit bâtiment.
un petit bâtiment, mais quand je n'avais pas beaucoup de moyens, j'ai trouvé une maison qu'on a louée à l'heure. Non, non, vraiment. C'est-à-dire qu'on payait de 10h à 11h le dimanche. Et si jamais le culte était un peu long, on payait de 11h à midi. On était une poignée. Et avec mes fidèles mousquetaires, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a pris notre voiture et on allait célébrer Dieu dans les tout petits commencements. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo. Je suis avec Christophe, avec Christiane, son épouse, qui a été la deuxième baptisée à MLK, et Jean-Émile, parce que ces hommes et ces femmes-là sont venus avec moi pour implanter l'église lorsqu'on n'était rien du tout. Et ça a été une petite graine dans un désert, mais qu'est-ce que c'était courageux, regardez. Bienvenue les amis, la vie c'est un voyage, et ce voyage, on va le vivre avec vous, et j'ai avec moi on est les quatre mousquetaires là, qui avons pu vivre cette expérience incroyable. Alors venez, suivez-nous, on vous amène dans ce qui a été pour nous des moments intimes, des moments hyper forts. Voilà comment l'église MLK a pu grandir du début jusqu'à aujourd'hui. Chaque étape était intéressante et passionnante. Allez, en route vers MLK 0, en route vers MLK 0. Qui s'appelait pas MLK d'ailleurs à l'époque. Ouais. ECPC. Église chrétienne de Pentecôte de Créteil. C'est choquant. Alors, Christophe, il nous explique qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Là, il y avait la garderie des enfants. Parce qu'on n'avait pas suffisamment d'espace de l'autre côté. C'était vraiment étonnant. Quand je réalise que c'est là qu'on a commencé, c'est surprenant. Venez avec nous, on va visiter le lieu de culte. Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a vraiment pas changé d'un poil, quoi. C'est incroyable. En fait, on était obligé d'ouvrir notre salle de culte comme ça. Et là, voici MLK 0. Le tout début. Je me rappelle des premières louanges quand on faisait le dimanche matin. J'arrivais avec ma guitare et ici... Attends, t'as pas allumé ton estrade. Allume ton estrade. Vas-y, allume ton estrade. Voilà, on allume l'estrade. C'était ici. Je mettais donc... Et les livres de chant étaient par terre. Ils étaient là, comme ça. Ils étaient là, par terre. Et on jouait en regardant les livres de chant qui étaient par terre. C'était excellent. Henri Linderman. Il a apporté une prédication étonnante. En tout cas, je crois qu'elle était prophétique même. Oui. Parce qu'il nous disait, ne négligez pas les petits commencements. Les premières années, les deux premières années, c'était trop grand. Mais oui, on était 15, 20. On était 20 plus une quinzaine d'enfants. La deuxième année, on a atteint 35-40. La troisième année, on a commencé à remplir et on a demandé à louer la zone. On était 80 déjà, hein, la troisième année. Ouais, troisième année 80. C'était une église très familiale. Très familiale. Très conviviale. Très conviviale. Très familiale. Bon, allez, on va visiter, si vous voulez, on va visiter MLK 1, c'est-à-dire l'endroit où Dieu nous a donné, nous a mis au large. Mais avant. Tout ne s'est pas fait dans la facilité. Avant, je voudrais vous parler d'un projet qu'on avait eu, pour qui on a prié, on a donné, et ça ne s'est pas fait. Voici le lieu dans lequel on a eu beaucoup de tristesse et de peine. Pourtant, c'était un beau titre, la rue des pêcheurs. Malheureusement, non, les choses ne se sont pas passées comme on avait prévu. Il y a eu une opposition. Opposition que Dieu a permis. Des voisins, puis de la mairie. Des voisins et de la mairie. Ouais. Et Dieu l'a permis, parce qu'aujourd'hui, avec du recul, on sait que Dieu ne voulait pas que ce soit ici, parce qu'il avait des plans encore plus grands. Et puis il y avait ici quand même beaucoup de travaux à faire, si je me rappelle bien. Oui, puis il n'y avait pas de place de parking. Il n'y avait pas de place de parking, il y avait plein de travaux à faire pour que la salle soit aménagée. Ça aurait demandé un gros effort. Je me rappelle quand Emmanuel Capu lui est venu avec ses équipiers, c'est là où les voisins ont porté plainte. Les victimes de racisme, hein, c'était dur. Hein. Sur le moment, ça fait mal quand on a un refus, mais c'est parce qu'il a d'autres plans derrière qui dépassent finalement nos attentes. Comme vous l'avez vu, tout n'a pas été facile. Et on a été victime d'injustice. Je ne sais pas si vous avez vu ce bâtiment rue des Pêcheurs. Moi, j'étais persuadé que Dieu allait nous le donner. Eh ben non. Une terrible lettre raciste a suffi pour changer le cœur du maire qui est devenu hostile. Et ce maire nous a retiré le bâtiment qu'il
m'avait promis, qu'il nous avait promis. Alors, on a appris à survivre. Et on a continué à persévérer. Et moi, je voudrais rendre hommage à un homme, une femme, là, qui, toi qui es devant, devant ton écran. Et je voudrais te rendre hommage parce que t'en as pris plein dans la figure. Tu pensais pas que ça allait être si dur, mais t'as tenu bon. Et aujourd'hui, t'es là. Et aujourd'hui, tu t'accroches. Je pense à une maman célibataire, tu élèves ton enfant et t'es une warrior. T'es incroyablement courageuse. Je pense à un homme qui a perdu son boulot, mais tu choisis de te lever, tu choisis de t'habiller, tu choisis de mettre des CV encore, même si t'as eu que des claques et tu continues. T'es un warrior et Dieu approuve cette attitude-là. Et tu sais, ça c'est extraordinaire et ça c'est tu vas développer des norias, des forces incroyables dans le désert. Et ça c'est bon. Ça va durcir ton caractère. Je vais dire la vérité, ça va durcir ton caractère. Mais par moments, tu vas avoir tendance à avoir même les cuisses qui vont gonfler, les mollets qui vont gonfler. Regarde ce que ça provoquait les norias. Ça va s'afficher. Regardez cette image, parce que les norias, ça n'existait pas qu'en Égypte. Ça existait aussi en Chine, en Asie du Sud-Est, ils en avaient plein. Regardez cette image qu'on a, une vieille gravure ancienne d'une noria où effectivement, eh ben, il fallait monter et se faire les muscles pour tourner. C'est extraordinaire de voir ça. Le problème de ça, je reviens sur vous, on peut enlever l'image. Je reviens sur vous. Le problème, c'est que quand tu as fait des norias et que tu as galéré, que tu as galéré, que tu as galéré, et que tu as réussi à survivre, parce que c'est ton cas, aujourd'hui tu as réussi, et ton enfant, il s'accroche grâce à toi. Donc bravo, bravo. Mais attention à développer ce supplément de muscles qui finit par te passer de Dieu. Parce que la difficulté t'a formé, t'a forgé, mais il y a un moment où elle peut te durcir. Elle peut te durcir. Et dans ce cas-là, ce qui a été bon pour toi dans le passé ne sera pas forcément demain. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je pense à quelqu'un qui est issu de l'immigration. Pour obtenir en France, pour obtenir ici à Paris, à la préfecture, tu as dû t'accrocher, tu as dû te battre, tu as dû forcer les portes. Mais au bout d'un moment, cette mentalité de forcer les portes et de te battre, elle devient juste ta valeur par défaut. Et ça va créer des conflits peut-être. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans cette situation. Aujourd'hui, tu es régularisé. Mais si tu gardes cette mentalité, je veux me battre, je veux arracher, ça peut provoquer des problèmes dans ta vie. Parce que ton caractère aurait été modifié par toutes les épreuves que tu as endurées. Je pense à une femme qui a été quittée par son conjoint. Et tu as appris à vivre seule et à gérer seule. Mais tu vois, l'enseignement qu'est en train de donner à ta fille est excessif. Parce que du coup, tu te rends pas compte que les muscles, tu as développé des muscles de femme et en plus presque des muscles d'homme parce que tu as dû jouer le rôle du père et de la mère. Et ce que tu es en train d'apprendre à ta fille, c'est apprendre à vivre sans homme. Mais ce n'est pas l'objectif de Dieu. Et tu es en train de reproduire en fait ce qui toi t'a sauvé en disant « Ma chérie, méfie-toi, cet homme-là, ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas fidèles, regarde ce que m'a fait ton père, ne fais pas la même erreur. » Mais en fait, sa vie n'est pas ta vie. Et le danger, c'est que quand nous, on a développé des norias qui nous ont sauvés, on veut à tout prix que les autres les prennent. Mais ce n'est pas parce que Dieu avait prévu ça dans une saison de ta vie, qu'il veut que tu fonctionnes comme ça toute ta vie. Je ne sais pas si ça te parle. Je ne sais pas si j'ai raison de te dire, mais je voudrais juste que tu entendes ce que Dieu dit. On lit ensemble. Le pays que vous allez posséder ne ressemble pas au pays d'où vous venez, parce que le nouveau pays est un pays de montagne, est un pays de vallée, et il est arrosé par la pluie du ciel. Et il est arrosé par la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, deux fois, a constamment les yeux du début à la fin de l'année. Si vous obéissez à mon commandement que je vous donne aujourd'hui en aimant l'Éternel, oh, c'est beau, et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie du printemps. Et vous aurez de belles récolte de blé, de vin nouveau et d'huile. Yes! Yes! Grand 2, je voudrais que ça s'affiche. Réapprendre à vivre par la foi.
à vivre par la foi. La première partie, c'est « J'ai réussi à survivre grâce au Noria ». Survivre grâce au Noria. Mais maintenant, je voudrais t'apprendre à vivre par la foi. Et ça, pour ça, il faut réapprendre à vivre par la foi. La foi accepte le changement. Est-ce que tu acceptes le changement ? Est-ce que tu acceptes le changement ? Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Un pays de montagnes et de vallées. Mais vous dites ça aux Israélites, ils ne comprennent rien. Et peut-être toi non plus. Tu ne comprends pas ce que c'est qu'un pays de montagnes et de vallées. Mais il y a des torrents, regardez l'image. Il y a des torrents qui descendent. Et ça, pour des Hébreux, c'est inconnu. Ils n'ont connu que du plat. Ils n'ont connu que du plat. Parce que l'Égypte est un pays plat aux alentours du Nil. Le pays de Goshen, vous savez qu'ils ont quitté Ramsès, Soukhot. C'était plat. Et tout d'un coup, Dieu leur dit, changement, le pays dans lequel vous allez prendre possession, duquel vous allez prendre possession, est un pays de montagnes et un pays de vallées. Regardez cette cascade, incroyable. C'est, il y a des cascades d'eau, ça s'affiche. Cette cascade, elle t'apprend que l'eau descend. Pendant des années, ils ont fait remonter l'eau. Et Dieu te dit... Non, ça c'était 2019. En 2019, tu devais faire monter l'eau avec des norias. Mais Dieu te dit en 2021, et à partir de maintenant, tu vas devoir fonctionner dans un nouveau pays où l'eau descendra du ciel. Ce n'est plus toi qui la pomperas de la terre, c'est l'eau qui descendra du ciel. Ouh, c'est une parole pour quelqu'un. Vous savez, depuis qu'on a commencé en mars 2020, le pays a changé. Et pour certains qui avaient développé des mollets et des cuisses en acier, vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai été formé pour du présentiel, je parle à un pasteur, je parle à un ministère, je parle à un leader de louange, qui est complètement dépressif. Parce que tu dis, mais c'est pas possible, il n'y a plus personne qui loue, moi j'ai besoin de retrouver des moments d'adoration, j'ai besoin des moments où le public est en train de louer Dieu et qu'on ressent le Saint-Esprit, j'en veux plus moi ! Et Dieu te dit, il y aura des moments extraordinaires, mais ça va prendre une forme différente. Et 2020, waouh, qu'est-ce que c'était dur. On a dû se réinventer. Mais il y a eu de la louange extraordinaire en 2020. Lorsque le chant « Bénédiction » est sorti, il s'est passé un moment d'unité dans toutes les églises de France comme du jamais vu. Waouh. Et les Noria, pendant un temps, ne servent plus à rien. Il faut juste accepter cela. Je voudrais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a galéré pour obtenir notre premier bâtiment MLK 1 ? Et puis Dieu nous l'a donné. C'était génial. Et puis Dieu a été meilleur encore parce qu'il nous a donné encore mieux MLK 2. Et moi jusque-là, au moment où il y a eu le confinement, qu'est-ce que c'était bien ? Et puis tout d'un coup, fin. Fermeture. On était dans la première église de France à fermer. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce que l'on va faire de ce lieu ? Aujourd'hui, mes amis, regardez cette petite vidéo qui vous montre comment, que ce soit une illustration, mais qui vous donne du courage, comment on peut se réimaginer, comment on peut se réinventer, non pas par soi-même, mais qu'on s'aligne avec le Saint-Esprit. Voilà, on a dû repenser la forme de nos cultes. On a repensé complètement la façon de délivrer le message. Parce qu'on ne peut pas délivrer une prédication en présentiel comme on fait ici maintenant devant un écran. Et donc, on a transformé dans un plateau, un studio en fait. Alors, je vous laisse suivre cette caméra qui vous amène et qui vous montre comment derrière l'écran ça se passe. Regardez. Bienvenue à MLK2. Le déménagement qu'on a fait, on a juste eu à traverser la rue. Et là encore, le Seigneur a été vraiment bon parce qu'il a multiplié les mètres carrés, Il a multiplié les espaces. Il a permis aussi qu'on ait beaucoup de nouvelles personnes qui nous rejoignent dans nos équipes. Et de nouveaux pasteurs aussi. On est passé de 5 à 3 services. On avait 5 cultes, on est passé à 3.
Et il y avait quand même, malgré cela, on avait 200 ou 300 personnes de plus. Mais c'était... très rapidement, l'église a grandi. Voilà, on est reparti à 4 et à 5 cultes. Voilà. On a dû créer une mezzanine, mais c'était juste incroyable. Alors ça paraît pas, mais c'est grand en fait. C'est très grand. C'était 2000 m² au lieu de 500, donc c'était 4 fois plus grand, sauf que la salle de culte n'était pas beaucoup plus grande. Aujourd'hui d'ailleurs, on a dû se réimaginer, et ce que vous allez voir, ça ressemble pas vraiment à une église, ça ressemble à un plateau, à un studio, parce que c'est là qu'on fait tous les enregistrements pour vous, MLK+, on vous aime, tous nos cultes en fait sont tournés ici, jusqu'à ce que bientôt on bascule dans le nouvel endroit. Voilà, donc on va voir le plateau, là où on filme toutes les émissions. L'église MLK, elle a grandi et il y a des personnes qui nous ont rejoints. Et je pense à Brigitte, je pense à Olga. Elles ont vécu le déménagement ici. Vous étiez juste arrivés avant. Il y avait du bon café, des bons croissants. Ça, c'est elles qui nous les servent. Et on est très heureux. Alors voilà, il y avait beaucoup de place. Beaucoup de personnes sont venues ici. Hein. Oui. Beaucoup de personnes sont venues ici. Brigitte, toute ta famille est venue. Oui, c'est là où tes filles ont été baptisées. C'était vraiment beau. Hein. C'était un bon moment. Il y a eu des bons moments de prière. Si, Des miracles, des guérisons. Je pense à Léna qui a été guérie, c'était des choses extraordinaires. Alors on va vous montrer maintenant où sont filmés tous les cultes, toutes les émissions qui vous nourrissent chaque dimanche ou chaque semaine quand vous les regardez. Alors comme un petit oiseau sans faire de bruit, vous allez vous glisser, il y a un tournage en cours. À vous maintenant. Imaginez, pour moi, qui était un Nord-Coréen des médias, j'avais pas la télé jusqu'à mes 15 ans, j'avais aucune culture musicale, j'avais aucune culture en vidéo, je savais rien de tout ça. Aujourd'hui, me voilà à devoir repenser les cultes de façon moderne, interactive et tout, on est perdu, mais c'est extraordinaire, faut juste se laisser conduire. Vous savez, nos amis, nos pères, nos mères dans la foi, ont été les premiers à se réinventer. Il n'y a pas mieux que cela. Regardez, quand vous regardez l'histoire du protestantisme, suivez-moi, je vous amène quelque part. Lorsque Luther a lancé la réforme protestante et qu'il a dit « il faut revenir au texte de la Bible », c'est parce qu'il y avait eu une révolution technologique. Ce n'était pas Zoom. Cette révolution technologique, c'était Gutenberg et l'imprimerie. Et ça a permis que grâce à l'impression, cette technique extraordinaire de Gutenberg, la réforme de l'Église puisse avoir lieu et enflamme l'Europe du Nord, l'Allemagne, la France, la Suisse. C'était extraordinaire. C'était possible grâce à l'innovation technologique. C'était grâce à l'innovation technologique que la première femme a utilisé la radio pour évangéliser en 1922 est une femme qui s'appelle Amy Semple McPherson, et elle est la première à évangéliser, et elle touche des centaines de milliers, parce que cette femme, au lieu de s'opposer à la technologie, a dit j'utiliserai cette nouvelle saison. Il y a un pays qui a changé. Avant la radio, c'était une chose, mais après la radio, c'est quelque chose. Et elle a adapter sa communication de l'Évangile. Je suis tellement heureux de voir qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pris des risques. Lorsque je pense, on porte le nom de Martin Luther King, mais qu'il a su utiliser les télés comme personne, lorsqu'il a fait son discours « I have a dream » et qu'il est là-bas face à cette foule au Capitole et qu'il peut donner ce sermon génial. Je pense à Pat Robertson qui lance le Club 700. Je pense à Jerry Falwell qui ont été les premiers à partager leur foi grâce à la télé, pendant que beaucoup disaient la télé c'est 666, c'est le diable. Je pense à Eric Sellerier pour nous en France qui a lancé l'internet chrétien avec le Top Chrétien. Je suis heureux de ce que fait EMCI TV et je veux les bénir. Vous savez, il y a un moment où tu choisis de dire soit je reste en Égypte et je continue à tourner avec mon vieux système, ou soit je dis l'Éternel nous amène dans un nouveau pays. Le système c'est une chose, ce qui est important c'est que l'eau viennent bien irriguer mon champ. Est-ce que tu réalises que Dieu fait couler l'eau
tout le temps. Il dit, je prends soin de vous tout le temps. Je vous envoie la pluie au temps opportun, la pluie d'automne, la pluie du printemps. Et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Ce pays est le pays de Dieu. Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire que la foi, elle accepte le changement, mais la foi, elle croit dans sa providence. La foi, elle croit dans sa providence. Vous savez, il y a un petit souci en Israël par rapport à l'Égypte. Je dois être honnête avec vous. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés en Israël, dans Canaan, que tout est devenu rose et beau. Il y avait des choses qui étaient meilleures en Égypte. En Égypte, le Nil, il coule de façon relativement stable, 365 jours sur 365. Sauf que l'eau qui coule des montagnes de l'Hermon, parfois, il y a des saisons sèches. Et du coup, c'est déstabilisant parce que tu dépends de quelque chose que tu ne contrôles pas. Et c'est pour ça que Dieu dit à son peuple, le pays dans lequel vous allez aller va vous demander une totale confiance en moi. Une totale confiance en moi. Est-ce que tu fais une totale confiance en Dieu? Moi, j'ai appris une leçon. Vous voulez que je vous la partage avant de vous quitter? C'est que on a du mal à se laisser apprivoiser par Dieu. On a du mal à se laisser apprivoiser par Dieu. C'est comme si Dieu veut être celui qui pourvoit, mais on préfère la bénédiction à celui qui la donne. On a tellement soif que on veut juste de l'eau, peu importe qui la donne. Mais non, celui qui comprend que Dieu pourvoit à chaque fois, que ce soit au torrent de Kérit ou que ce soit dans un endroit d'abondance du Jourdain, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. La foi dans sa providence est la clé. La fertilité, regardez ici, dépend bien de la régularité des pluies. Mais il faut apprendre la dépendance. Je vous ai amené un petit pot. Regardez ici. Regardez. C'est juste des croquettes. Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que tu veux nous expliquer là-dessus? Eh bien, un chat sauvage m'a donné une des plus belles leçons de ma vie. Parce que ce chat sauvage qui s'est présenté lorsque j'avais 15 ans, dans ma maison à la campagne, au cœur de la Bretagne, ce petit chat sauvage est venu squelettique. Il était affamé. Il n'avait pas mangé, je pense que... C'était un très très jeune chat qui avait dû être chassé, il avait dû être vagabond, malheur, la peau sur les os. Et lorsque j'ai vu ce petit chat sauvage arriver, immédiatement, j'ai été chercher un reste de croquettes que j'avais. Et je l'ai appelé Minou. Et le chat sauvage a senti qu'il y avait de la nourriture. Par contre, il ne connaissait pas le bonhomme. Alors le Minou, il m'a regardé. Il a voulu approcher parce qu'il était intéressé par les croquettes, mais il n'était pas intéressé par les bonhommes. Il voulait bien manger, mais il n'était pas intéressé par celui qui donnait la nourriture. Il n'avait pas confiance dans l'être humain. Et ce chat-là a fait un premier pas et quand je me suis éloigné, il a mangé une croquette. Il n'a même pas eu le temps de la croquer qu'il est parti en courant tellement il a eu peur. Et moi, je lui dis, Minou, reviens. J'ai mieux pour toi qu'une croquette. Est-ce que tu entends? Ce Dieu qui essaye de t'apprivoiser. Tu sais, pour Dieu, t'es comme ce chat sauvage qu'il veut prendre dans ses bras et de qui il veut prendre soin du début à la fin de l'année. Mais toi, tu veux juste manger, peu importe d'où ça vient. Et le chat est revenu, il a pris une poignée et hop, il est parti. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai compté les minutes. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, son estomac continue à faire... Tu ne peux pas vivre sans Dieu, mon ami. Le monde peut te donner des choses, ça ne dure pas. Parfois, tu peux faire des alliances loin de Dieu. Ça va te nourrir un temps, tu vas arracher deux croquettes. Ça ne dure pas.
Alors je vais te parler, puisqu'il n'y a rien qui dure sur la terre, je vais te parler de celui qui est capable de prendre soin du début à la fin de l'année. Et ce petit minou m'a donné une leçon incroyable parce que, je vous dis, au bout de 15-20 minutes, il est venu vers moi et avec son cerveau de chat, de petit minou, il a compris que s'il voulait avoir des croquettes tous les jours, il fallait qu'il apprenne à faire confiance, la foi, dans ma providence. Et si Dieu te disait, est-ce que tu es prête, est-ce que tu es prêt à me faire confiance pour ma providence envers toi ? Et depuis ce jour, le minou a été nourri abondamment, il est devenu gros et gras, plus jamais squelettique. Et à la fin, je mettais le pot, il ne le touchait même pas parce qu'il savait que de toute façon, même les croquettes qui étaient en supplément, de toute façon, demain, le patron remettrait ce qu'il faut dans la gamelle parce qu'il avait compris qu'il vaut mieux être intéressé par celui qui donne la bénédiction chaque jour plutôt que par la bénédiction en elle-même. Est-ce que tu as compris cette leçon de vie ? Est-ce que tu as compris ? Et c'est ça que Dieu essaye de dire à son peuple. Il dit, vous allez devoir apprendre à arrêter tous vos systèmes de survie parce que vous allez dépendre de moi. C'est difficile la foi, mes amis. C'est difficile la foi. Philippiens 4. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Des fois, ça arrivera. Tu auras l'impression que la ration de croquettes, elle est juste. Même la dernière, tu dis, Dieu là, il ne reste plus qu'une croquette. Après, c'est fini. Et moi, je te dis qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil et que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est ce que Dieu nous a dit, c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Alors, il faut une chose, simplement, c'est est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur, dans cette période difficile d'incertitude. En pleine incertitude, comment réapprendre à vivre, faire une confiance totale à Dieu. Je vous quitte en vous disant ceci. C'est incroyable que dans une période aussi catastrophique, on puisse vivre un des plus beaux rêves de Dieu pour la France. Et pour moi, ouvrir le bâtiment, et je vous invite déjà les équipiers, vous serez avec nous dès la semaine prochaine, vous tous qui servez à MLK, mais peut-être vous tous les visiteurs, tous ceux qui êtes MLK chez vous et qui avez envie de venir, dès que le confinement est fini, on vous accueille, vous viendrez. Mais c'est fou qu'une bénédiction aussi belle que celle-ci ait lieu dans un moment aussi cata. Et Dieu fait des choses belles, il faut juste accepter les saisons. Chaque étape de notre vie est un apprentissage de la dépendance. Et vous savez pas quoi ? On se retrouvera au ciel et c'est là qu'on fera le bilan. Est-ce que l'Éternel a été fidèle ? Est-ce que l'Éternel a pourvu ? Vous savez ce que l'apôtre Paul dit ? Il dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Dieu le tient en réserve. Alléluia ! Pour ceux qui lui font confiance, est-ce que tu lui feras confiance ? Alors, arrête de crier, arrête de pleurer. Oui, tu as l'impression qu'il manque un petit peu d'eau dans ta vie, qu'il manque un peu de nourriture dans ta vie. Mais celui qui est fidèle ne changera pas. Son nom, c'est l'Éternel. Son nom, c'est l'Éternel. Waouh. Enfin, moi, j'ai choisi, et vous ? Moi, j'ai choisi d'abandonner ma vie entre les mains du Seigneur. Alors, de tout mon cœur, de toute ma force, je veux dire, Seigneur, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Je permets à personne, et surtout pas à moi-même, d'en reprendre, Seigneur, ce que je t'ai donné. Quand je t'ai dit, Seigneur, que je rentrais dans ce pays de la dépendance, eh bien, je veux vraiment m'y tenir. Et ne me permets pas de revenir sur la parole que j'ai faite. Parce que lorsque je me suis plongé avec toi, lorsque j'ai pris mon baptême, lorsque je me suis engagé avec toi, j'ai fait un pacte. Un pacte que dans les moments faciles, dans les moments difficiles, je tiendrai bon, non pas par mes propres forces, mais parce qu'il y aura toujours l'eau au temps opportun qui coulera du ciel pour ma vie. Est-ce que tu veux reprendre ce chant ? On l'écoute ensemble.
d'autres t'aiment, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, entre les mains de Dieu, ta vie est entre les mains de Dieu. Et un geste de consécration, de confiance en lui, nous a été recommandé. Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que tu te sens seul, découragé, que tu perds espoir, rappelle-toi que tu n'as pas à porter cette situation, il a porté à la croix. Alors ensemble ici, on va prendre la Sainte Cène. J'ai avec moi les amis avec qui l'église MLK a été fondée, il en manque évidemment quelques-uns, mais j'ai choisi ceux qui avaient peut-être pris le plus de risques au départ pour démarrer cette œuvre incroyable de la foi. Prenez avec nous, allez chercher dans votre frigo, peut-être sur la table, quelque part, de quoi prendre avec nous un verre de jus de raisin, un morceau de pain, peut-être du vin, et on va célébrer ce que Jésus a fait à la croix. Mais pendant qu'on le fait, je vais demander au pasteur Eric de prier pour vous, de prier avec vous, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant, et c'est merveilleux. Seigneur Jésus, tu connais chacun et chacune d'entre nous, tu sais exactement là où nous sommes, ce que nous vivons, tu sais dans quelle situation nous nous trouvons, tu sais dans quelle situation se trouvent ceux et celles qui sont en train de suivre ces instants et de prendre ce pain et ce vin et de se dire, mais Seigneur, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Est-ce qu'il y a une nouvelle saison pour ma vie? Seigneur, merci de te manifester à eux maintenant et à elles maintenant. Tu es le Dieu de la nouvelle saison, tu es le Dieu de la transition qui nous emmène d'un endroit vers un autre, mais tu nous tiens constamment la main, particulièrement dans les moments où il nous semble que tu n'es pas là. C'est à ces moments que tu nous dis, que tu nous réconfortes. Non, je suis avec toi dans ces moments-là. Je veux vraiment que je prie pour que tu encourages ceux et celles qui en ont besoin maintenant, d'être rappelés qu'à aucun moment tu ne les as perdus de vue, que tu as toujours été auprès d'elles, auprès d'eux, que oui, tu
tu les emmènes. C'est une transition qui peut être difficile, mais tu les emmènes vers un pays nouveau, vers une terre nouvelle, vers une saison nouvelle, vers un moment de bénédiction. C'est pour ça que nous voulons nous remémorer tes promesses en prenant ce pain et ce vin comme des symboles de ce que tu nous as promis. Tu es parti vers un pays où tu nous dis que tu nous emmèneras. Et Seigneur, nous croyons dans ces promesses et nous savons qu'un jour, tu viendras chercher ton peuple. Et nous le proclamons, Seigneur, déjà aujourd'hui, en ton nom, Jésus. Amen. 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 Et vous toutes et vous tous qui nous regardez en cet instant, n'hésitez pas à mettre vos sujets de prière. Vous pouvez écrire à prière@eglisemelkain.fr. Vous avez une ligne de prière qui s'affiche sur votre écran et à laquelle vous pouvez appeler le dimanche à l'heure de midi. On est là, on prie avec vous, on prie pour vous, on intercède pour vous. Et puis n'hésitez pas à donner des témoignages parce que lorsque Dieu vous aura permis d'aller dans cette étape, ce nouveau pays, parce qu'on change sans arrêt, un pays où coule le lait et le miel, dites-moi, quelle est la saveur du miel ? Quel est le lait que Dieu vous a donné et tous ces délices que Dieu a fait pour vous. En tout cas, c'est bon. Et pourquoi j'ai amené mes amis là? C'est parce que, si vous voulez bien, je vais leur poser des questions. On va vivre un moment très fort. La semaine prochaine, ce sera le dimanche de Pâques. Et pour tous ceux qui servent à l'église MLK, vous tous qui avez un service, et je vous remercie tellement, vous allez pouvoir démarrer les tests. Ça va être un week-end de tests le dimanche de Pâques. Le bâtiment ne sera pas ouvert au public dans MLK Grand Paris, mais tous ceux par contre qui ont un service, on va être obligé de vous tester. On va démarrer avec des tests de sécurité, des tests d'incendie, des tests d'attaque antiterroriste parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Et donc tous les dimanches d'avril là, on va faire des répétitions afin qu'à la fin de cette période de confinement en Île-de-France, fin avril, début mai, je ne sais pas encore, on va ouvrir au public, on va pouvoir recevoir plus de 2000 personnes, tellement c'est beau, on aura de nombreux services, et puis la salle est gigantesque, donc elle va pouvoir accueillir, en respectant les normes, de très nombreuses personnes, donc on va être en test. Mais avant de montrer là où on va dans une semaine, et où vous tous, le public, vous nous rejoindrez peut-être dans quelques semaines, je voudrais vous dire de ne jamais mépriser les petits commencements. Et pour cela, j'ai une carte. Alors, je vais me tourner vers mon ami. J'espère que vous allez pouvoir la voir. Et je vais poser une question à Eric Dufour. Voici cette carte. Eric, oui. Elle te rappelle quelque chose? Dis-moi plus. Mais elle me rappelle un moment où on était avec Rachel. Toi, tu étais toujours célibataire. Ouais. Dans ta petite chambre d'étudiant. Ce n'était pas le meilleur moment de ma vie. Non. Et tu nous sors une carte et tu dis en fait qu'il y a, tu nous parles d'un endroit où, alors je comprends pas bien au début si c'est Créteil, Corbeil, je suis pas bien sûr de ce que tu me dis, mais tu me dis là il y a une préfecture et il y a personne à cet endroit, il y a un besoin là et c'est là que je veux aller. Et en fait on est arrivé là et ça sera le tout début. Alors ça s'appelle pas MLK, ça s'appelle à l'époque ECPC. Vous savez, on essayait de trouver des noms corrects, mais on n'a pas toujours été super inspirés. On faisait bien les choses, on avait envie de bien faire. Et donc, sans plus tarder, je voudrais vous montrer une photo. Voici notre premier moment, un de nos premiers moments. Ah. Et je vais demander à Christiane si tu veux bien commenter cette photo qui s'affiche pour vous devant votre écran. Voilà, ça, c'est le début de ECPC. Ah oui, que de souvenirs. Et puis, quelle belle représentation aussi des valeurs de l'église MLK, la convivialité, le partage, être tous ensemble. Ben, en fait, une toute petite quichenette et puis on faisait des agapes le dimanche parce qu'on considérait que après le culte, c'était pas juste c'était de venir, bon, ouais. Mais c'était aussi de partager des moments comme ça ensemble, de mieux se connaître et d'être en communion encore à travers ces moments-là. Très convivial, très convivial. Merci les paillettes, je vois nos amis réunionnais. Alors Christophe, commande-moi cette deuxième photo. Non, la deuxième photo, j'ai vu une dame là qui prend son baptême. C'est qui cette dame? Cette dame, c'est mon épouse. Waouh, elle est là aujourd'hui. Et là, c'est un jour où j'ai pleuré, vraiment pleuré, parce que je la voyais déterminée à suivre Dieu. Pourquoi je pouvais pleurer? Parce que c'était des années de prière avec des frères et des sœurs pour que Christiane donne sa vie totalement au Seigneur. Et je n'ai pas pu retenir mes larmes parce que je voyais la bénédiction du grand Dieu que je servais. D'ailleurs, quand elle m'a dit qu'elle allait prendre son baptême, j'ai été un peu secoué. Parce que je me suis dit, avec tous les défauts que j'avais, comment le Seigneur a pu la rendre si aveugle que ça? Je ne plaisante pas. Parce que je criais devant Dieu et je disais, est-ce que c'est ma vie qui est un frein ou pas? Alors, le jour où elle rendait témoignage
en disant que c'était ma vie qu'il avait conduit au Seigneur. Je lui ai dit, vraiment, tu l'as rendu aveugle. Ça donne un encouragement, ça donne un encouragement à vous tous, regardez, qui avez peut-être un conjoint qui met plus de temps que vous. Respectez-le, aimez-le inconditionnellement, parce que peut-être après, il vous donnera des leçons. Vous savez que Christiane est devenue la vice-présidente de la Fédération protestante de France, elle représente l'Église MLK partout. Tu as écrit une lettre au président Macron, oui, et le président Macron MLK nous a répondu. Paris, ouais, nous un truc de fou. Donc, très contente. Soyez juste persévérants. Dieu fait toutes choses belles en son c'est temps vrai, et c'est magnifique. On a une troisième image. Troisième image, c'est moi qui vais la commenter parce que c'est une image douloureuse. Elle s'affiche devant les écrans. Il s'agit de Saint-Maur. En fait, je vous ai dit tout à l'heure dans le message, on avait vécu des moments difficiles parce qu'on avait essayé de bien faire. Moi, j'avais donné tout mon temps, tout mon argent. J'étais pasteur entièrement bénévole. L'église faisait déjà presque une centaine de personnes. Oui. Et on est allé à un endroit qui ne s'invente pas, rue des Pêcheurs à Saint-Maur. Le maire nous avait dit, c'est OK, on va vous donner le permis, etc. La semaine de l'élection du maire, en fait, il a changé d'avis parce qu'il y avait eu une plainte du Front National, en fait, dans la ville qui avait bloqué parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des Noirs dans l'église MLK. Et c'était terrible. Et moi, j'en ai pleuré. Mais là, vraiment, c'était dur. C'était dur. Et à l'époque, on disait qu'on péchait par naïveté. C'est drôle, quand même. Mmh. Aujourd'hui, on dit que c'est Macron qui nous envoie. Je vous soutiens. Ouais. Mais c'est drôle. Parce que les mêmes personnes qui nous bloquaient, le maire de Créteil n'était pas pour, le maire... Eh bien, en fait, tu ne sais pas. Donc, leçon pour tous. Persévérez. Persévérez. Parce que si on s'était arrêté là... Vous ne regarderiez pas cette vidéo parce que cette église n'existerait pas. Voilà, des fois, il faut juste persévérer. J'ai demandé à Jean-Émile. Jean-Émile, ce bâtiment, il te rappelle quelque chose ? Eh oui, ce bâtiment me parle d'un changement. Tu as parlé de nouvelle saison. Une grande étape, et je pense que là, c'est le bâtiment qui exprime le passage de la MLK 0. Oui. Bah, on était locataire avant loué à l'heure, et là tout d'un coup on a notre premier bâtiment, notre mini Canaan. Et ça c'est vraiment le fruit de la persévérance, le fruit de la foi, de la prière, et Dieu exauce au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mmh. Personne, je peux dire, à cette époque n'avait pensé que nous serions capables. Et on était fiers. Qu'on est rentré là-dedans, purée, qu'est-ce qu'on c'était était fiers. Fête, hein. Et oh le Seigneur a ouvert cette porte extraordinaire, cette porte miraculeuse. Miraculeuse. Et miraculeuse. Franchement, c'est des souvenirs. Là, on est en 2009. On est en 2009, on met notre logo, on est super heureux. 2010, 2011, 2012, un culte, deux cultes, trois cultes, quatre cultes, cinq cultes. Et on arrive en 2017 et on bascule là, Christophe, tu te rappelles ? C'était les travaux ici. Je me rappelle même que pour la première fois, je dansais en public ici. T'as dansé. Alors, juste pour information, regarde ici. Juste pour information, il a dansé sur l'estrade de Georges Marchais. Je ne sais pas si certains ont eu leur carte du Parti communiste français un jour, mais vous imaginez que Georges Marchais a dû se retourner dans sa tombe lorsqu'il a su qu'un Camerounais était en train de célébrer Jésus, là où d'habitude il faisait ses syndicats. C'était incroyable. C'était vraiment un moment... Alors, Christiane, vas-y un petit peu plus loin, l'image d'après. On est en train de déballer les meubles. Oh, oui, tu te rappelles des équipiers. Tu as été responsable des bénévoles pendant longtemps, oui, le service RH. Oui. Regarde ça, on monte tous les meubles à MLK2. Mais oui, puis il y avait beaucoup d'enthousiasme, d'énergie déployée. Vraiment, je rends vraiment hommage à tous les équipiers de l'Église, du plus petit au plus grand. Vraiment, merci, bravo. On vous aime. Pour qui vous êtes, pour votre disposition de cœur et pour tout ce que vous faites pour cette Église. Oui. L'image suivante. C'est pour Éric Dufour, parce que Éric, on a un jour inauguré et tu m'as fait une belle surprise, raconte ça. Oui, on savait que ça allait être l'inauguration d'MLK2 et donc on s'est dit avec Rachel, quand même c'est un moment important, on vivait déjà au Colorado à l'époque, on s'est dit on essaye, allez on fait un truc de dingue. On ne dit pas à Yvan et on regarde si on peut avoir un billet d'aller-retour sur 3 jours. Et on dit, Seigneur, si t'es dans l'affaire, eh ben, il va y avoir 2 places de libre pour nous. Et comme par hasard, il y a 2 places de libre pour nous. Donc on prend l'avion, on arrive le dimanche matin. Et on a juste le temps de se doucher, on arrive devant toi et tu es sur le au moment là, de... Là, on est là, juste derrière la porte ici. Alors, je ne sais pas si la caméra peut suivre, est-ce que Stéphie, tu peux suivre ? Voilà, juste derrière, voilà, comme ça, on va rendre hommage. Derrière la porte, clac, ici, il y a une petite porte, vous voyez, issue de secours. Et c'est là devant, et je me rappelle, je te croise dans le hall. Oui. Et là, je me dis, je suis bugué là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des moments où il y a quelqu'un, vous n'avez pas prévu et...
Voilà, c'est ça, Eric et Rachel Dufour. On rend hommage à Rachel. Oui. Femme de Dieu incroyable. Oui. Qui prend, pas sur un coup de tête, parce que c'était, ça vous a coûté. Sur un coup tout court. Voilà. Ça en valait la peine. Pour moi, et je suis très touché. Quelques temps plus tard, Christiane, tu me commandes ces débuts des travaux. Mmh. Voilà. Il y a des blocs de béton. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est MLK Grand Paris. C'est les débuts. Voilà. Enfin, c'est une phase déjà bien avancée des travaux. Mais je dirais que c'est la. C'est la réalité en grand de tout ce qu'on a rêvé depuis le début, parce que je me rappelle qu'au départ, tu nous avais à tous posé la question, c'est quoi l'église de vos rêves ? Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. J'aurais jamais dû poser. C'est dangereux les questions qu'on pose. Et on t'avait dit, c'est multiculturel, l'église de la seconde chance, ce qui était le cas pour moi, par exemple. La convivialité, mais aussi l'innovation, parce qu'il fallait vivre dans son temps. Et puis la porte ouverte à tous, qu'on vienne tel qu'on est, du plus petit au plus grand. Et ça va juste être merveilleux. Avec toutes les activités qu'il va y avoir dans ce lieu, toutes les vies qui vont être transformées, c'est juste extraordinaire. Alors Jean-Émile, tu l'as visité pour la première fois tout à l'heure. Il s'affiche sur les écrans. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh oui, je crois qu'il faut faire le détour pour voir ce lieu. Alors juste pour information, tu es servi aujourd'hui dans une autre église. Oui, je suis... Et donc aujourd'hui, tu nous as visités. Et tu es notre invité d'honneur et je veux honorer ce père spirituel qui est Jean-Émile pour nous. Vraiment, tu es un homme incroyable. Bonjour. Donc, tu dis, voilà, tu étais visiteur, mais tu es un peu chez toi en même temps. Un peu chez toi. Donc, tu invites les... Alors, je m'y suis rendu pour la première fois. Je n'étais jamais allé avant. Et ce que j'ai vu, j'ai dit, est tout simplement fantastique. Grandiose parce que je suis entré, le hall déjà, c'est extraordinaire, de savoir que cet endroit va accueillir des enfants du Seigneur. Je pense que des lieux comme ça, je n'en avais pas encore vu. Ouais. Dire les choses en France, en France. Je n'en avais pas encore vu de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai visité en France. Je n'en avais pas encore vu. Et de voir, elle a dit qu'il faut vivre avec son temps. Et ça, franchement, il y a là-dedans tout ce qui correspond à notre époque, à notre temps, avec... Alors j'ai une image. Enfin, moi, je vais la prendre. Je te redonne la parole. Ça, c'est quelque chose que moi, je rêvais. C'est l'installation du Fun Park. Le Fun Park, pourquoi ? Parce que pendant des années, les enfants ont eu la dernière place dans l'église. On construisait pour les adultes la maison du Seigneur, mais les enfants, on les mettait dans les locaux qui restaient. Et ça, c'est une salle magnifique. Il y a un toboggan géant qui part à 5 mètres de long et des voitures électriques. Je ne sais pas s'il y a des petits qui nous regardent. Regarde, je sais qu'il y a des enfants de 7, 8, 9 ans. Je sais que les parents sont en train de fermer les yeux aux enfants. Dis non, arrête de rêver petit. Moi, je te dis que c'est possible et qu'il y a maintenant, dans la génération de demain, des personnes qui feront des œuvres encore plus grande. Je célèbre toutes les personnes qui travaillent pour l'enfance en dehors de l'église. Toutes les personnes qui travaillent dans des crèches, toutes les personnes qui travaillent dans des associations sportives. Bravo pour ce que vous faites. Mais un jour, je rêve que ça soit dans les églises et que l'église puisse aussi prendre soin des enfants avec autant d'excellence qu'une crèche. Donc ça, Jean-Émile, tu as vu, peut-être l'image d'après, tu as vu des écrans, c'est impressionnant. Hein. Et oui. Quand j'ai demandé quelle était la superficie des écrans, on m'a dit que c'était 450 mètres carrés d'écran. Et là, t'as dit, t'as un petit appartement, en fait. 450 mètres carrés d'écran et un écran des plus modernes. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je me projette déjà et je me dis, là, devant cet écran, il va y avoir des prédications. Ouais. Et dans cette salle qui fait au moins 1000 places assises, il va y avoir le peuple de Dieu et toutes les personnes qui cherchent Dieu qui seront invitées dans ce lieu. Je me dis, Seigneur, tu prévois des choses extraordinaires. Et je vous dis, ça vaut le détour. Quand ce sera terminé, surtout venez voir. Venez voir. Ça vaut le alors détour. Les équipiers, c'est dans une semaine. Hein. Profitez-en, c'est bientôt. Et puis vous allez pouvoir faire les premiers tests. Et puis tout le monde, donc on ouvre dès la fin du confinement. On vous donnera bien sûr le go. Mais j'espère, voilà, on aurait voulu ouvrir à tous dès dimanche prochain pour Pâques, mais ce n'est pas possible. On fera donc en séquentiel. On va commencer à ouvrir pour les équipiers. Juste une chose, 450 mètres carrés d'écran, je réponds ça parce que peut-être certains vont dire, est-ce que ce n'est pas too much ? Et c'est vrai que peut-être certains vont dire, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas exhiber une forme de trop ? En fait, combien d'entre vous, regardez-moi, sont allés en Israël ? Combien d'entre vous rêveraient d'aller en Israël ? Ben moi, c'était le rêve de ma vie. En fait, je n'avais pas le budget pour me payer un billet d'avion et tout ça, et puis c'est assez cher. Et ben pourquoi ces écrans-là ? Parce que c'est un écran qui fait à 360.
et qui nous permet d'aller tourner pour vous en Israël. Et quand vous venez à MLK Grand Paris, vous visitez par exemple la grotte d'En Gedi, dans laquelle David a été, dans laquelle il a écrit un psaume. Et la grotte, elle a 360, vous la voyez aussi bien avec une même résolution que si vous étiez en Israël. Lorsque vous serez là, vous verrez le lac Tibériade, mais vous serez dedans. On va tourner avec des barques et donc on va pouvoir faire des images à 360. Et quand vous entendrez le texte où on lira la parole « Il marcha sur les eaux », eh bien, vous verrez ce que c'est. Vous verrez Capernaum. Moi, je ne connaissais pas Capernaum quand on l'a vu. On est allé visiter Eric il y a quelques temps. Et c'était, c'est différent quand on y est. Et c'est ça l'idée. On va amener les lieux bibliques pour vous, ici à Paris. Wow. La Bible passe en 3D. Oui, et puis pourquoi c'est grand? Je me dis, n'oublions pas que nous servons un grand Dieu. Un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Souvent, on a tendance à vouloir faire étriqué, à vouloir faire petit, en oubliant que notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur, le maître de l'univers. Et si quelqu'un a créé, si Dieu a créé ce monde dans toute sa dimension extraordinaire, les galaxies à l'infini, 450 mètres carrés d'écran, c'est une goutte d'eau pour lui. C'est pas grand chose pour le roi des rois. C'est vrai. Donc, gens vont dire c'est too much. Non, je crois qu'il faut rêver grand. Parce que notre Dieu est grand. Amen. Et puis nos enfants, honnêtement, c'est aussi pour eux que je pense. Parce que la génération qui vient est née avec une tablette. Ils n'ont pas habitué comme vous. Moi, j'ai eu la télé très tard dans ma vie. Mais eux, ils sont nés avec. Et je crois que les chrétiens doivent être dans l'excellence. Et il faut qu'on soit capable de produire des choses que le monde nous envie. Voilà, j'en ai marre que mes jeunes envient le monde. Je veux qu'ils envient l'Église, que les gens du monde disent waouh, ceux qui ont le meilleur truc, c'est les chrétiens, et ça serait top. Alors vous allez me dire, est-ce que du coup, bon, c'est merveilleux de célébrer, hein. C'est merveilleux de célébrer. Est-ce que vous en sortez? Parce que je sais, il y a aussi certains qui me demandaient financièrement quand vous en sortez. Ben, merci pour la fidélité des chrétiens. Amen. Merci pour vous tous. Merci pour votre fidélité. Moi, je pense que chacun des euros, on le calcule, on le réfléchit, on le pense. On a des personnes extrêmement compétentes pour gérer ça. Et puis, peut-être certains disent, mais vous êtes une église, vous avez tout. Vous avez tout. Nous, on a le Covid aussi. On a tout, on a même le Covid. Et ce bâtiment, il a été pensé comme une auberge. Et ça me permet juste de conclure ce moment en vous disant, il marchait sur deux jambes. C'est-à-dire que c'est aussi les locations au monde séculier qui permettent d'équilibrer les comptes. Et vous avez bien compris que le Covid a bloqué tout. Donc, en fait, non, on est en galère. On est en galère, mais on a un grand Dieu. Et je suis même pas... Alors, je sais que je devrais être stressé, parce qu'objectivement, c'est comme si on coupait votre salaire en deux. Voilà. Vous annonce demain, au fait, votre salaire est divisé en deux. Et je sais qu'il y en a pour que c'est ce que vous vivez. Mais c'est ce qu'on vit à MLK. Voilà. On a eu la moitié qui a été coupée parce que tout ce qu'on avait prévu de termes de location extérieure, pour l'instant, tant qu'il y a le Covid, est bloqué. Et donc, je vous remercie parce que vous avez été extrêmement fidèles. Merci pour vos dons, merci pour vos offrandes, vos dîmes, tout ce que vous avez donné à la Maison de l'Éternel. Du coup, on calcule. Je remercie toute l'équipe aussi qui a réduit tout leur salaire. Tout le monde a fait des efforts ici à MLK. Et puis, merci pour votre fidélité. Ceux qui veulent donner, vous pouvez donner. Alors, on n'est pas en train de demander l'aumône. On est en train de dire, est-ce que vous voulez semer pour Dieu? Parce que la Bible dit que c'est possible de dire, voilà, semer. Et que le semeur, lorsqu'il plante quelque chose, il s'attend à avoir une récolte. Est-ce que vous voulez semer pour que la francophonie puisse bénéficier aussi d'un bel outil qui sera pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, et un lieu où le Saint-Esprit, j'espère, sera aux commandes. En tout cas, c'est ma prière. Donc, merci pour votre fidélité. Vous pouvez donner en juste une fois. Vous allez sur jeveuxdonner.fr. Vous pouvez dire, on choisit d'être partenaire parce que c'est un rêve de Dieu et vous voulez faire partie de ce rêve de Dieu. Vous êtes au bénéfice grâce à cette émission, grâce à ce moment de partage de quelque chose de Dieu. Mais peut-être que vous dites, non, mais je veux semer là-dedans, ça a du sens. Ça a du sens, ça me nourrit. La Bible dit, si quelqu'un te nourrit aussi, tu ne retiens pas ta main, tu bénis celui qui te nourrit. Si c'est le cas, si ça vous fait du bien, faites-le, que tout le monde se sente libre. Puis vous pouvez être partenaire sur le long terme. Et je remercie les très nombreux partenaires, vous êtes plus de 500, à avoir décidé chaque mois de mettre une petite somme de côté et de dire, ceci, c'est pour bâtir, pas un lieu physique, bâtir des vies. Parce que mon objectif, c'est des vies, ça sera toujours des vies. Alors, je vous souhaite vraiment une excellente fin de semaine avec Dieu. Que le Saint-Esprit soit avec vous du matin jusqu'au soir. Et comme on l'a lu,
que sa pluie vienne sur votre vie. Amen. La pluie du printemps, la pluie de l'automne. Vous avez eu du mal au printemps, il y a une bonne pluie d'automne qui arrive. Que Dieu vraiment vous fasse du bien. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gros bisous à tous. Toute l'équipe MLK, on vous remercie. Merci pour votre fidélité toutes ces semaines. Merci, merci. Tenez bon, tenez bon. Dieu est à l'œuvre. Ok, l'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Vivez en succès, il est riche en son amour. Oh 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 oh. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en sincère à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh 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 oh. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous
aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires, 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 euros ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.